retrouverai Fainir. Quand j'aurai trouvé un moyen. Ne dites rien. Vous êtes avec le domaine, n'est-ce pas? D'accord. Y'a quelqu'un? À l'aide! Excusez-moi. Eh oh! Excusez-moi! Je vous prie de m'excuser, mais feriez-vous partie des vivants? Tout est si flou. Oh, voilà que je me remets à parler à un cadavre. Maudite vision spectrale. Oh, les étoiles soient louées. Je suis coincé dans ces catacombes humides depuis je ne sais combien d'années. Je suis retenu ici par un puissant rituel nécromancien, et j'aimerais bien que cela cesse. Oh, un simple rituel qui permet à cette installation de garder toute sa main-d'œuvre mort-vivante intacte pendant quelques siècles. Mais les mages impériaux ont décidé d'y mettre le nez. Et cela nous a coûté la vie. Je peux y mettre fin, mais je n'ai pas réussi à retrouver leur crâne pour en faire des focalisateurs résiduels. Eh bien, ce rituel est de mon fait. Trois mages impériaux m'avaient embauché pour transformer des prisonniers condamnés en une troupe de morts-vivants. Vous savez, l'Empire ne voit pas la nécromancie d'un très bon œil. Hélas, le moment du rituel venu, ils m'enfermèrent avec les prisonniers. Ces imbéciles, à l'esprit étroit, étaient trop plongés dans leur manigance politique. Ils pensaient qu'en s'occupant du rituel eux-mêmes, ils n'auraient plus besoin de moi. Quelle arrogance de penser qu'ils auraient pu appréhender toute la complexité de mon rituel de préservation. Les morts-vivants ne mangent pas, ne dorment pas et ne respirent pas. Ce sont des gardiens parfaits pour un lieu comme celui-ci. D'ailleurs, j'imagine qu'une cage secrète ne leur reste pas très longtemps s'il faut remplacer les troupes tous les 6 mois. Arya, Teldius et Musius, leur commandant borné. Lorsque leur rituel mal géré nous a tous anéantis, ils emprisonnèrent nos âmes
dans le royaume des mortels. Parce qu'il pensait que les principes de la nécromancie étaient les mêmes que ceux des cercles de conjuration. Au lieu de cela, la magie a envahi leurs esprits, transformant leurs crânes en focus enchantés. Je peux mettre fin à cet effet permanent si je possède leur crâne. Vous avez les crânes. Misère, et suis-je encore en train de parler à un cadavre? Formidable. Donnez-moi les crânes, et je devrais pouvoir inverser le rituel de préservation. Oh, pardon, j'avais oublié. En réalité, c'est vous que je vois sous forme fantomatique. Bref, vous allez devoir faire ce qui suit. En entrant dans la chambre de préservation, vous trouverez leurs esprits bloqués dans un souvenir du moment de leur mort. Vous devriez pouvoir y arriver en réunissant leurs crânes avec leurs esprits. Vous ne la voyez pas? Je... Oh, d'accord. Les murs. Il y a un levier dans le coin qui ouvre un passage secret. Je ne me souviens plus où il se trouve, sinon je vous le dirai. Ça fait un bout de temps que les murs ne me dérangent plus. Son pouvoir ne cesse de croître. Ce n'est pas du tout ce que nous avions prévu. Il y a trop de pouvoir! Je n'arrive pas à le contenir! Ce n'est pas normal. Son corps n'est pas comme les autres. Vous avez réussi. Vous m'avez libéré. Ces imbéciles se sont pris pour des nécromanciens. Mais dans leur ignorance, ils ont tué et ressuscité tous les occupants de ces lieux. Pas seulement les condamnés à mort. Si cet endroit n'était pas aussi bien caché, les effets auraient pu se propager jusque dans le bois de Gratte. Je ne sais pas. Maintenant que vous avez mis un terme au rituel, les morts-vivants de cette installation devraient peu à peu disparaître. Quant à moi, eh bien... Je pourrais toujours contacter la guilde des mages pour leur proposer mes services. Je trouverai bien quelque chose.